Sam. Ruby, comment ça va aujourd'hui? Tu dors? Ou t'as pas envie de parler peut-être? Hier, tu sais que je suis venue te voir et tu dormais aussi. Tu dors beaucoup. Oui. Mais c'est pas grave, tu sais, ma chérie. Moi non plus, parfois, j'ai pas du tout envie de parler. Bizarre quand même, hein. Tous ces gens qui attendent toujours qu'on parle, qu'on utilise une langue, des mots. Et pourtant, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas capturer dans une phrase. Des choses impossibles à décrire. Sauf les noms. Oui. Les noms sont les dernières choses intelligibles qui nous restent. Les noms. Les gens. Et comment on peut se rappeler les gens s'ils ont disparu? Si les noms ont disparu. Les maisons. Les structures. Qu'est-ce qu'on fait quand il reste que du sable et des pierres? On va aller chercher où les pierres pour tous les noms? Pour se rappeler les noms? Pour commémorer les noms quand ils sont entre les débris? Quand ils volent? Un désert d'histoire, sans direction, hors du temps. Qu'est-ce qu'on fait dans un pays qui a perdu sa structure? Où est-ce qu'on achète les pierres pour tous ces noms? Vas-y, je t'ai réveillée. Regarde. Je t'ai apporté quelque chose de chez moi pour ici. Chez moi, tu sais, c'est très 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 loin. Regarde. Je ne sais pas si tu connais ça. Alors ici, tu tournes, tu vois, comme ça. Et puis là, ça. T'aimes bien? Moi, il faut que j'y retourne. Mais je reviendrai demain, d'accord? Sob. Je te fais un bisou. Gros d'affaisse.